La réunion thématique du secteur productif de ce lundi a penché sur un trio de dossiers, entre autres celui du plan avec la note méthodologique de l'enquête sur l'emploi et le chômage dans le pays. D'importantes options ont été levées quant à ces dossiers dont l'enquête commence ce mois à Kinshasa et à Lubumbashi. La note montre l'urgence d'entreprendre des investigations adéquate afin de pourvoir le pays en données fiables et récentes sur la population active. Et la note préconise la stratégie consistant à organiser une enquête trimestrielle par sondage aléatoire stratifié sur l'emploi et le chômage afin de dégager des résultats réalistes. La réhabilitation des laboratoires industriels de Bounia-Viandé a fait l'objet du deuxième sujet présenté par le ministère de l'Agriculture et le Développement Rural. Le district de l'Ituri possède un potentiel impressionnant pour le développement de l'élevage. Les membres du groupe ont approuvé les dossiers et ont recommandé que le ministre procède par une approche de partenariat public-privé et que la réhabilitation des abattoirs doit s'étendre à tous les abattoirs donc, que possède le pays, mais à partir de Bounia, donc dans une première phase. Le business meeting pour le financement de l'agriculture à l'horizon 2013-2020 était aussi examiné.